Précédemment dans Révélation 2, on a laissé un message. Bienvenue au Kirling. Je ne sais absolument pas de quoi tu parles. J'apprends juste à y voir plus clair. J'ai fait ce que je pensais tout juste. Nous allons bientôt tout connaître. Tu l'as tué. Cette vieille peau va payer pour tout ce qu'elle a fait. Claire, ouvre les yeux. Claire, réveille-toi. Claire. Barry. Qu'est-il arrivé à Moira? Est-ce qu'elle était avec toi? Barry. Oh non. Je suis désolée. Elle est morte. J'ai essayé de la sauver. J'aurais dû... Non. Moira. Pourquoi, bébé? Moira. Natalia. Tout va bien? Hé, qu'est-ce qu'il y a? Natalia, ma puce, où est Wesker? Parti autre part. Oh, ok, bon, l'important, c'est que tu n'es rien. Peu importe où elle est, on la retrouvera. Oh. Alors bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Non, juste un peu chaos. Alors aujourd'hui on va reprendre le gameplay de Resident Evil. Je vais le faire comme ça parce que j'aurais aimé que ça marche mieux, mais bon, ça marche pas terrible, ça rame un peu, mais bon. Je vais pas ne pas le faire. Ça aurait été bête d'avoir tout fait et puis pas faire le dernier épisode. Par contre, ça va ramer un peu. J'ai beau tester plusieurs configs, elle doit s'en servir pour contrôler. Ça bug, ça me saoule. Alors j'espère qu'avec GTA 5, sans se rend configuration minimum, hein, forcément, avec un PC aussi pourri que le mien. J'irai pas bien loin, et puis c'est pas aujourd'hui que je vais me racheter une carte graphique vu qu'on m'a enculé quasiment 950€ et que pour l'instant je suis toujours à découvert sur mon compte, j'ai toujours pas été remboursé de quoi que ce soit. En espérant qu'avec l'éditeur de GTA 5 du coup que je puisse enregistrer, que ce soit beaucoup plus fluide qu'avec enfin bon, on verra bien. Allez hop, on est parti, je m'en fous de ces zombies là. Hop. Je vais aller droit au but, hein, parce que ça... Je n'ai pas spécialement envie de perdre de temps. Avec un jeu qui rame, un PC merdique. Tu fais toi.
On va se coucher, c'est mieux. Aussi. T'es mort ou t'es pas mort? Ah, c'est qu'il y en a un autre là. Tu rêves mon pote. Attends, je peux pas te tirer là. Ah si, parfait. Bouge pas, reviens là, reviens là, reviens là. Je te tire dans les pattes. Qu'est-ce que tu fais là toi? Vas-y, viens là, attends. Mais... Oh. Regarde la petite, elle est ici. Viens me manger. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu vas dans le mur, espèce d'abruti? Encore ces coffres maudits. Ah, j'aurais beaucoup apprécié ce jeu malgré une config PC merdique. Je pense. Oh, quelle chance. Merde, pas ça que je voulais faire. Ok. On va aller voir un truc. Alors. Au combat là, cette chose est énorme. Elle ressemble à ces grues qu'on voit dans les décharges. Donc pour ma config PC, s'il y en a qui s'intéressent de savoir exactement c'est quoi que j'ai comme config, ou au pire, bah, s'il y en a qui s'y connaissent vraiment vraiment bien en config PC, c'est-à-dire vraiment pour optimiser carte graphique, processeur par rapport aux jeux vidéo, bah, vous pouvez déjà soit me demander ce que j'ai, au pire je pourrais vous dire ce que j'ai. Et bah, au pire, s'il y en a qui ont quelques petits conseils niveau configuration, donc bah, si vous y connaissez pas ou sans plus, c'est pas la peine hein, de me dire quoi faire. Je parle vraiment à ceux qui s'y connaîtraient bien. Bon, vite fait comme ça, donc je suis avec une Republic of Gamer Extreme Rampage 3. Bon, bah, c'est une vieille carte, hein, mais c'était le top à l'époque, quand elle est sortie du moins. Et j'ai une HD 5870 en version 2 Go avec les 6 sorties d'écran là. J'ai un pauvre refroidisseur liquide premier prix Corsair, la RAM Corsair Vengeance et un SSD. Bon bah c'est pas le jeu tourne pas dessus de toute façon. Un SSD pour le système de 120 Go en Intel, 6 gigabits à 500 et quelques d'écriture et de lecture. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ouais. Et bon bah processeur i7 950 3 Go 0,7 je crois, je l'ai pas overclocké.
Parce que j'y connais pas grand chose et j'ai pas spécialement envie de le cramer non plus. Après dans les configurations et tout, je suis pas au top du top dans les connaissances. Je me suis pas attardé plus que ça. Et c'est que là vraiment avec GTA 5, sachant que j'ai pas les moyens de me racheter un proche, enfin de me racheter du matériel quoi. Pour ceux qui savent pas, hein, j'ai déjà fait une vidéo dessus pour dire que récemment je me suis fait hacker mon compte, bon, enfin surtout ma carte bancaire. Du coup, attends, ouais, c'était là, c'est ça qu'il fallait faire. Du coup, bah, je me l'a actuellement, je me retrouve à moins 800 et quelques euros sur mon compte. Donc c'est pas demain la veille que je vais acheter une nouvelle carte graphique ou plus de RAM ou autre chose. Malheureusement, j'aurais bien aimé, hein, mais. Puis je vais pas avoir la chance comme certains streamers à qui on fait pas mal de dons. Streamers qui n'auraient pas spécialement besoin d'avoir des dons, sachant qu'ils ont déjà des grosses chaînes YouTube qui doivent leur rapporter un minimum de revenus. Moi, c'est pas avec mes pauvres 20 euros par mois que j'aimerais acheter une carte graphique. donc ouais, voilà. J'espère que ça va tourner. Donc, pareil. Qu'est-ce que tu fais? Bah, les cons, quoi! Tiens, si je sautais dans le vide, je vais m'asseoir et puis je vais sauter comme ça, histoire de. Pauvre con, tiens. Aïe, aïe, aïe. Donc, bon, bref, je disais, donc j'espère que ça va gérer avec GTA 5 et puis ouais, j'en profite pour descendre un peu Amazon parce que j'ai précommandé GTA 5 en début d'année. Donc ça fait 4 mois et quelques quand même, et ils sont même pas fichus, ces bandes de blaireaux, de m'envoyer ce jeu pour aujourd'hui quoi. Non, faut que j'attende demain. Alors ça fout un peu la haine quand on se dit qu'on a précommandé le jeu depuis 5 mois et puis que bah, tous ceux qui vont qu'on même pas précommandé et puis qui vont aller le choper en magasin ou qui vont le télécharger sur Steam, bah, ils l'auront avant moi quoi, avant tous ceux qui auraient pu précommander et puis qui auraient précommandé du moins chez Amazon et puis enfin chez ces glandouilles, enfin c'est chez ces glandus quoi, ces fils de, enfin ces connards quoi, je vais pas aller plus loin dans les insultes, mais ouais, ça me fout bien la haine quoi de le recevoir en retard quoi, alors que je l'ai précommandé depuis quasiment 5 mois. Enfin, ça me servira de leçon, hein, j'achèterai plus jamais rien chez Amazon, du moins pas les trucs que je veux rapidement quoi, parce qu'ils sont pas fichus d'être au point. C'est des bons gros abrutis de base. Et on va rester là, donc c'est reparti pour le jeu, hein. On va éviter de tergiverser sur d'autres sujets. Bon, bah écoutez, malgré toutes attentes, ça reste à peu près fluide par rapport aux derniers essais que j'ai fait, qui ramaient à donf, ça faisait que de laguer. Là, ça passe à peu près, je vais pas dire que c'est fluide, mais ça passe. On dirait que c'est prêt à s'effondrer, mais je pense qu'on peut traverser. Oh, attends, elle est où cette échelle de con là? Hey. Waouh, c'est vraiment haut. Ah oui, c'est haut. Ça y est, le toit du monde. On y est presque, ma puce. Tu vas y arriver? Mais alors du coup, quand on fait gaffe à l'intro au démarrage du jeu, bah, moi j'avais pas spécialement compris ça. Je pensais vraiment que Moira et puis Claire étaient encore sur l'île. Apparemment non. Alors je sais pas trop comment elle a dû pouvoir s'échapper, Claire. Se retrouver à l'hôpital.
Et puis c'est après que bah du coup Barry est parti rechercher Moira malgré que le que comment dire malgré que bah Claire Redfield lui ait dit que lui ait signalé hey, tu montes pas dessus là? Eh mais il est débile ou quoi? Oh putain, je te jure. Espèce de jeu de malheur. Aïe aïe aïe, trop mal branlé quoi. Même pas fichu d'avancer sur une plateforme qui avance. Oh l'avance, non, je peux plus rien faire. Eh. Bon, j'espère que ça ira. Allez. Enfin, je vais revenir quand même sur GTA V rapidement. J'espérais réellement pouvoir vous faire un gameplay de GTA V aujourd'hui. C'était sans compter sur l'incompétence abusive de d'Amazon. Du coup, bah. Vu que j'avais commencé à tout retoucher, bah, mes configs PC pour essayer d'optimiser ça au mieux. Bon bah voilà, j'en ai profité pour me remettre sur le dernier épisode. Hey, qu'est-ce que tu fais toi? Il passe à travers les murs. Eh mais t'es pas net hein. Oh. Donc alors attendez. Elle est où la petite? Si tu montes pas toute seule, faut qu'on t'aide en plus. Putain. Boulet un jour, boulet toujours. Allez, arrête de ramer. Franchement, j'espère qu'avec le truc de capture de GTA V. Sur PC, je pourrais faire des captures de meilleure qualité sans utiliser donc un truc qui me bouffe une grande majorité de mon CPU déjà et puis du GPU, j'imagine. Ah, si je pouvais avoir une Titan FX, je serais content, mais c'est pas le cas. J'ai une pauvre ATI HD 50, 5770. Qui a bien fait son temps hein, d'ailleurs, m'a beaucoup servi et je le remercie énormément déjà, c'est déjà pas mal. Mais elle commence à se faire un peu Ce vieille. chemin va nous conduire dans la mine. Barry, il y a quelque chose en bas. Je pense qu'elle se cache là-dedans. Ta mémoire, elle te revient? C'est difficile à décrire. Je ne me souviens pas de cet endroit, mais je crois que je suis déjà venu ici. Bon, ce n'est pas grave. Il te faut un peu de temps. Ne fais pas trop d'efforts. 6 mois à chasser des fantômes. Je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas toutes les réponses. Ouais, c'est pour ça que t'es revenu ici, pour avoir toutes les réponses. Ah, n'empêche que Claire s'est barrée comme une vieille merde en laissant Moira. Bon, pas qu'elle avait beaucoup d'autres choix, j'imagine, mais. Mais elle l'a laissé étaler comme une grosse vieille merde sous les décombres. Du coup, bah ouais, ça se trouve, elle est peut-être pas morte. Hein, parce qu'elle a dit, elle est morte, j'ai rien pu faire, excuse-moi. Non, c'est... elle était pas morte quand je suis parti, mais je l'ai laissé comme une grosse merde, excuse-moi. Ça aurait pu, c'était... était juste. Bon, je vais où, je fais quoi? Je peux sauter là. Ah. Ah
Alors, faut aller où? Non, puis en plus j'aimerais bien faire un peu de stream, pas que ce soit du jeu qui vous plairait spécialement, je pense, ceux qui me suivent dans les médias. Après, si je devais faire du stream, enfin, être sur Steam, du moins. Oui, ce soit, enfin bon, bref, je m'en fous des prononciations. Ou des... ouais, je trouve pas mes mots, mais c'est pas grave. Donc ouais, ce serait plus pour faire des petits jeux qui me plaisent, ou faire des petites... trucs à la con, peut-être pas forcément des trucs qui vous intéressent vous, pour dire déjà qu'il n'y a pas spécialement de gens qui sont intéressés sur ma chaîne par mes gameplays vu le peu de vues que je fais dessus. On va dire il y a peut-être une dizaine de personnes sur ma chaîne qui me suivent, et puis les autres ça doit être des gens qui passaient par là comme ça, qui voulaient voir un gameplay Resident Evil 2, mais voilà quoi, enfin bon bref, allez hop c'est parti, on enchaîne, je crois que c'est là d'où je viens. C'est bien, tuto, tu fais n'importe quoi. C'est où déjà pour courir, c'est tellement longtemps que j'ai pas y joué, j'y ai pas joué, je me rappelle même plus. Là c'est croix. Ouais c'est bien, je fais vraiment n'importe quoi en fait. Allez. Donc, il doit y avoir un truc là. Voilà. Il fallait juste aller là, comme un con. Et j'y ai pas été. Allez, viens, petite. Vers le bas. Non, tu crois? Putain, il y a un Teddy sur lui. Vers le bas. Putain, ils auraient pu trouver des dialogues un peu plus... Tu vas mourir. Ça vient du bracelet. Oui, ça vient de ton bracelet. Pas morte, toi, là, espèce de gros cinglé, ouais, c'est ça, carrément. Ensemble, nous sommes plus forts qu'elle. Que tu dis? Sans tes armes, je suis pas sûr que tu serais plus fort qu'elle. Hein. Enfin, en même temps, elle, sans son virus, je suis pas sûr qu'elle soit plus forte que toi. Oh, j'ai la carte de la mine. Ah, je suis désolé, j'ai pas tout fouillé, j'ai pas envie de m'y attarder pour l'instant. J'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 2 heures. Sachant qu'en plus le premier épisode de... Enfin que la première partie du dernier épisode... Dégaz, reste ici ma puce. Oh, dégaz. Non, je viens avec toi. Attends. Tu es certain. C'est mort tout ça là. Très bien. Oh. On va courir. Sachant que la première partie du dernier épisode était super courte, j'imagine que celui-ci va être un peu plus long. Donc je dois éviter de faire un épisode de 4 heures. Au pire, je le ferai en 2 parties, mais je vous avoue que si je récupère GTA demain, j'aurais pas spécialement le temps ou l'envie de me remettre de suite à Resident Evil, malgré que ce soit un jeu que j'apprécie beaucoup. Pas d'électricité. Alors je sais pas d'où je viens exactement. Là,
Putain, je vais crever, je vais crever. Vas-y, dépêche-toi. Voilà. Cool. Allez, go. Mais non, pas ça. On va retourner là-bas vite fait parce que je le sens qu'il va, l'écran devient de plus en plus blanc là. Puis elle reste dans sa merde, elle va crever toute seule, elle est con. Pas intérêt de crever hein. Allez, dépêche-toi. Ah oui, oh là là. Tu pouvais pas avancer 2 mètres de plus. Alors. Bien. Je me demande bien jusqu'où ça descend. Elle est ici. Cherchons un moyen de descendre. Ok, anti-recul. Ouais. C'est pas fait pour ça. Voilà. C'est pas fait pour ça non plus. D'accord. Et là. Allez. Clé de l'ascenseur. Cet ascenseur est peut-être notre ticket de sortie. Putain, le jeu qui rame, c'est pas possible. Donc. Gueule. Dépêche-toi, retourner en lieu sûr, toi. Tu vas crever sinon. Ensuite.
Ouais, mais tu peux attendre 2 minutes, oui. Putain, mais... Eh, t'es pressé, toi, mon pote. Et toi, reste en haut, là. T'as pas besoin de respirer des gaz toxiques pour rien. Bon, on va remonter, on va prendre un petit peu plante, hein. Fume ta bœuf. Non, c'est comment on fait déjà? Merde, je sais même plus, quoi. Ça fait trop longtemps que j'y ai pas joué. Eh merde alors. Eh. Oh les boules. La honte. Voilà. Quel abruti. Bon alors. Non, toi, non. Qu'est-ce que tu fais par terre et t'attends un peu plus tard en fait. Je crois qu'il était bugué lui. Mais non. Mais tu le fais exprès là. Donc j'emmène ça où moi? Là-bas, là, espèce d'escalier plus haut, j'imagine. Reste bugué comme l'autre, toi. Vas-y, monte. C'est déjà une première fois. Hop. Oh, bah arrête d'être débile, saute. Toi, pareil. Ah non, il est pas resté bugué, lui. Par contre, ça déconne, hein. C'est quoi ces box de merde? Il va se coucher. Mais non. Putain, et quand je montais dessus, je suis n'importe quoi. Allez, go. Clé de l'ascenseur, je peux pas la prendre. Je suis en inventaire plein. Toi aussi, t'as un inventaire plein. Alors. T'as pas un inventaire plein toi, il te reste une place vide, espèce de con. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Est-ce qu'il a dû se recharger ses armes en attendant entre temps? Je crois que c'est ça, je vois pas d'autre. Ouais, on recharge tout. Voilà, toi. Donne tes armes aussi. Donnez. C'est parti. Donc j'ai la clé de cet ascenseur. On peut retourner là-bas. C'est un système de ventilation. Si on peut le faire marcher, on arrivera à évacuer le gaz. Ouais, ce serait mieux avant de descendre en plein dedans. Oh.
Attends, vas-y, casse-toi. J'aime pas du tout la couleur que mon écran commence à prendre. Et je vais crever là-haut. Trouve un truc pour monter là. Putain. Ça me fait flipper ce con. Mais non, mais. Pêche-toi. Toi, tu restes en bas et tu me touches pas, s'il te plaît. Eh, mais ça te prend souvent des coups de speed comme ça, toi. Tout ça pour un pauvre coffre. On verra après si je le prends ou pas. Y'a rien. C'était juste pour le coffre en fait. Vas-y, sa mère. Allez, va ouvrir ton petit coffre. Pêche-toi. Ouais, 3, j'en étais sûr. Pas le train. Ouais, pas mal, pas mal. Ouais, trop bien. Putain, le fait de pas jouer, tu t'améliores. Je m'améliore mieux qu'en m'en jouant pas, qu'en jouant assez rapide souvent. What the fuck. Bon allez, go. Donc, ensuite. On va aller voir là. Ouais, je t'aime moi aussi. Juste tout seul. Putain. Puis je peux pas aller. Vas-y, monte. On va pas commencer à crever, c'est pas le moment. J'étais là-bas peut-être. Sûrement. C'est pas autre chose. Allez, allez, go, go, go. Ouais, ouais. Avant de faire quoi que ce soit. Attends. J'ai plein de balles là, normalement, je crois, pour cette arme là. Allez petite, donnez-moi. Pourquoi je veux pas me les donner? Attends. Hop là. Go. Gun, mais ouais, attends,
Voilà. C'est parti. Ça me dit pas où il faut que j'aille en fait. Parce que là, les trois trucs que j'ai vus, c'était des cul-de-sac. Attends, je viens là. Ouais. Alors attends, je vais aller là-bas. Je vais reprendre un peu de souffle. Ils sont chiants avec leurs armes, con. Très peu de munitions. Celui-là est gros. J'ai pas l'air de vouloir crever si c'est bon. Non, même pas. Il y en a combien? Eh, mais il crève pas cet enculé. Oh non, puis l'autre, tu vas m'envoyer ses bouses dans la merde, dans la gueule. Putain, merde, fais chier là, je vois rien maintenant. Tiens, sale race. Va se coucher, saleté. Ta gueule. Mais j'ai pas oublié un truc là, je sais pas, j'ai activé un... Ah ouais, si, ouais, j'ai compris, ok. C'est bon, je crois savoir. Je t'aime pas, moi. Tu me lâches. Mais oui, mais on sait que c'est un monstre. Non, t'as pas une autre arme que ça, là. Mais... Là, c'est ça que je prends, là, bordel. Gogol. Donc oui, ça y est, c'est ouvert. C'est ça que je pense bien, c'était ça. Pas trop, reste sur place quoi. Putain.
voilà. Deux petits trucs que j'ai trouvé tout à l'heure. Cadence, capacité. Donc capacité. Celui-là, il m'avait l'air vraiment très puissant. Une bonne capacité, ça pourrait être sympa. Voilà. Ensuite. Cadence. Est-ce que ça va une cadence? Ah, ouais, voilà. Hop, je pourrais tirer un peu plus vite avec ça. Ça a marché. On peut passer maintenant. Mais non, on est pas séparé, on est pas loin, allez. Allez, viens là, là. T'es où? Putain, quelle grognasse. Mais... Eh, mais ils se foutent de ma gueule. Hein. Pourquoi Wesker s'intéresse à toi? Je ne sais pas. Je lui parle seulement quelques minutes avant d'avoir sommeil. Parce qu'on peut en plus t'entretenir une petite discussion avec. Même pas, je lui parle, moi, cette meuf. Ah, j'ai rarement vu un truc aussi crado. Ouais. Moi aussi. Aucune donnée dans d'autres jeux. Oui, tiens, bah elle a des données enregistrées. Authentification. Vérification. Accès autorisé. Natalia, comment as-tu? Je ne sais pas. Tout simplement parce qu'elle a l'accès autorisé, et pas toi. Habituel lag à chaque chargement, putain. On va voir qui c'est qui va mourir. On n'y est pas encore. Je t'ai assez entendu, vieille peau. Barry ! Quoi ? Qu'est-ce que t'as ? C'est bon, t'as fini de laguer là, espèce d'abruti. Putain, c'est pas vrai ça. C'est casse-couille. Config de merde, PC de merde. Ah non. Voilà. En même temps, c'est pas étonnant que je fasse si peu de vues avec une config aussi pourrie, avec un jeu aussi peu fluide. Sachant qu'il y en a d'autres qui doivent avoir des bien meilleures configs, ça doit être beaucoup plus intéressant d'aller regarder un gameplay optimisé. Pas moi. J'ai déjà eu ma part de manoir. Oh. Il y a encore un chargement ou quoi là? Tu me saoules. Ah, j'aime bien moi les manoirs. Quand ça lag pas. Putain, mais merde, ça me saoule, pauvre jeu, tiens. Allez, qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Allez, arrête de laguer là! Merde, c'est chiant! Oh
Bon, pour une clé emblème. Il agrée pas comme ça là, j'ai même pas le temps de vous voir, je comprends rien ce qui se passe, putain. Allez, recharge. Putain, si j'étais à 5, ça rame comme ça, laisse tomber quoi. Non, c'est pas toi qui prends la vie. Oui, où t'as clé emblème? Produit chimique odorant, comme épais quoi. Bon alors. Ce truc. Allez go. What the fuck? Ces créatures. Alex a créé toutes ces choses. Toutes. Je suis pas sûr que je suis obligé de les tuer, mais je préfère le faire maintenant plutôt que d'être surpris. Ah mais c'est quoi ces box de merde, je tire, ça lui fait rien du tout. Vas-y, c'est toi, t'es répugnant, t'es dégueulasse, crève. J'aurais dû deviner qu'elle avait aussi mis la main sur Ouroboros. Oh
Ouais, bah vu la tournure que ça prend, je vais pas faire l'épisode, le dernier, enfin le dernier, la dernière partie de l'épisode en une fois, je pense. Ça fait déjà 1 heure que je suis dessus. J'ai toujours pas ta clé d'emblème. Bien sûr. Je fous pas de ma gueule là. J'ai pas le souvenir d'avoir. Attends. Là-haut, c'est une clé emblème. Là, y'a rien. T'as rien. C'est pas là. Je me rappelle pas avoir vu une porte comme ça avant moi. Oula, pas cool. Dis-moi où il est. Là. Ok. Putain, ouais. Mais non, pas ça. Saloperie. Alors, je sais pas où est-ce que j'ai été, où est-ce que j'ai pas été. J'arrive pas trop à me repérer. Ok. Donc j'étais là-bas, on va aller là. Cadavre. Super, c'est mon jour de chance. Mais putain, mais c'est quoi ces trucs là, les frames d'invincibilité qu'ils ont, c'est nul à chier, c'est complètement débile quoi. On n'est plus à l'époque de la 2D là, oh. Merci de ton aide. Ah là 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 là. Lui il est desséché. Il n'y a rien. En fait j'ai eu la chance de tomber sur le mauvais direct. C'est quoi ça? Ouh, la clé emblème. Viens la petite. Prends la clé emblème. C'est un bon endroit pour mettre une clé emblème ça. Encore un cadavre desséché, ok, cool, bon. Du coup, ici... Non, c'est le 2G, hein, ça, je crois. Donc, du coup, je vais finir de faire un tour, quand même.
rapport. Ouais, c'est bien. Donc, j'ai plusieurs portes à visiter. Hein. On va aller voir ça. Hop, 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 reviens. Hop là. Ah, il y en a encore un autre. Putain, mais ils arrêtent pas. Oui, je sais, je sais. Merde. Ah, ça vous plaît. C'est vraiment le genre de bestiole que je supporte pas dans les jeux. Là. Quand c'est dans l'eau ou quand c'est invisible, tu les vois pas, tu sais pas quoi t'attendre, c'est chiant. Voilà, il me semble qu'il y avait une porte à voir là. Là-bas. Donc ça ramène là, ok. Si je me trompe pas, hein, je toujours me... Enfin, ça me remet dans le... Ouais, c'est bien ça. Du coup... Ça... Ça réduit considérablement les possibilités. Ils sont pas nets, les gens. J'ai déjà plus de munitions pour ça, quoi. Putain. Oh putain, il m'a surpris son cul. Putain, je vous avoue que j'ai moitié sursauté dans mon canapé là. Je m'y attendais pas du tout à celui-là. Moi, c'est agréable d'avoir des jeux comme ça où, où t'as pas une petite musique qui te dit attention, il va y avoir un monstre deux minutes avant que le monstre arrive. Au moins, voilà quoi. C'est là, c'est au moment où tu vois le pile, au moment où tu vois le monstre, bam, la musique qui vient avec, histoire de bien te faire stresser en plus. Oh, un truc doré, attention. Bien sûr, j'ai pas de place. Boîte d'éléments rares. C'était quoi ce bruit? Bon, alors. On va retourner à l'ascenseur.
vers là, je sais plus trop où, rien trouvé. Là-bas, je crois. Si je me trompe pas. Alors, tir chargé niveau, c'est quoi de ça? Ah, bien. Je tire des balles électriques, c'est ça? Tu es fatiguée, Natalia. Tu veux te reposer? Ça va, Barry. Merci. Putain, comment elle lui dit ça? Ça va, Barry. Merci. Tu veux pas le draguer aussi? Bon, y a que toi qui passe, j'imagine. Ou non, y a rien qui passe du tout, c'est pas là. What the fuck? Oh! Il faut juste que je me penche, quel abruti. On va le laisser voir. Si trop je perds mes balles pour rien, les tuer, ça sert à rien. Oula. Toi, je vais m'occuper de toi tout de suite avant que tu me craches dessus. Mais non, mais là, c'était à côté, il faut arrêter quoi. Sûr que tu te planques, t'as beau te planquer où tu veux. Sans pas la race, crache dessus quoi que tu fasses. Ah ouais? C'est comme par hasard, tu sais. Allez, vas-y. Hey, oh. Alerte. Dégage. Ça vient de... Tiens bon, Natalia. Ah putain, ça me saoule ça. Faut... Bien sûr, faut que je me dirige pile dessus, quoi. Pauvre grognasse là. Putain. Allez, arrête de bugger là. Putain, ça me saoule. Casse-couille.
tu veux jouer à un jeu aussi qui a un ralentissement pareil, bordel. T'as de ramer là, bordel de merde. Elle fait quoi elle? Allez, c'est bon là, t'arrêtes de ramer, saloperie. Bon, toi, on va pas te laisser l'occasion de me faire chier plus que ça. Vas-y, ça me saoule quoi. Je veux jouer un jeu aussi pourri quand ça rame comme ça là. C'est tellement bugué que même le monstre il bug. Vas-y, c'est bon là, tu vas pas te mettre à charger pendant 3 ans là, bordel de merde. Allez, fluide, fais pas chier. Voilà, ça y est. Gros con. Mais merde là, arrête de ramer pour un oui ou pour un non, c'est bien chiant. Mais je m'en fous de tes fumigènes. Ah, il est attiré par les fumigènes. Oh, c'est un fumigène, arrête d'être con. Alors elle est où la bébête de merde là, qui m'a tué. Mais putain, c'est bon là, c'est n'importe quoi. Déjà, j'étais en train de monter, le truc est en train de passer à travers. Oui, on s'en fout, ta gueule, ferme-les tes portes. Bien sûr. Allez, il est où ton truc là? Ah, c'est autant de trucs d'enculé que je vais éclater direct là. Bien sûr il sort pas. Ouais, on l'entend. T'es où? Ah, il est là. Je sais pas d'où il sort mais il est là. Tiens, ça leur rase de merde. Putain, c'est la pire saleté du jeu ça. Ah, j'ai horreur de ces trucs de merde. Toi, je peux pas te laisser l'occasion de cracher dessus. Ah si tu veux cracher dessus. Oh non, pas toi. Mais il y en a combien des comme ça là? Mais non, mais... Il faut arrêter d'être con aussi, là. Putain, ça passe à travers tous les décors, c'est n'importe quoi. Ça m'énerve, les jeux comme ça. Tiens, je tape là-dedans, là. Approche-toi du truc rouge, là. Viens là, petit con. Là. Bam, allez, dégage, sale race.
détectée. Procédure de quarantaine activée. Fermeture des portes. T'es pas mort. Putain, je vais me barrer jusque. Putain, ça passe à travers tout. C'est n'importe quoi, c'est ridicule. Cours, reste pas dans ses pattes là. Prends un peu de... Mais non, ta gueule, je vais pas avec elle. Voilà. Mais merde, vas-y, crève là, sale charogne. Cours. C'est quoi ça? Tellement le tour. Allez hop. Ça la race de merde. Menace éliminée. Déverrouillage des portes. Saleté. Ouais. Allez, monte. Non, descends. Ah là 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 là. J'ai les mains toutes mouettes. Chanson. Tu connais? Je ne l'aime pas. C'est glauque ici, dis donc. Attends, je m'en vais, je passe, je trace, mais... C'est bien gentil, mais j'ai besoin de munitions, je pense, là. Il n'y en a pas. Non, bien sûr. Bon, bête, attends. Hop là. Un petit truc là. Merde, la lumière. Génial. Génial. Comme de par hasard. De quoi? Ta cervelle, elle est fausse. T'en as rien. T'as rien dans le crâne. Toi, tu crois que t'es vrai avec ton virus de merde là? Sale race. C'est quoi, c'est ton nounours? Pourquoi, Alex? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Parce que t'étais déjà moche à l'intérieur, tout simplement. Excusez-moi. Ouais, t'étais complètement perché dans ta tête, mais des Wesker, wow. Ta gueule, tu fais pitié. Mais non, ta gueule, je m'en fous de cette gamine là. Allez.
Il n'y a rien. Hop, allez, go. Chargement. Super. Je sens que je vais me taper un boss tout ralenti. Pas net comme meuf. Wesker! Natalia! Oh non, c'est pas vrai. Je comprends mieux ce que tu ressentais, Albert. J'en ai assez de vie. Je vais me transformer. Ouais, tu veux surtout te cacher la gueule. Oh là là là. C'est quoi cette espèce de truc? C'est même plus des zombies, c'est des zombies machines. Piste cinématique tout pourri là, qui ramadonf là, bordel de PC de merde. Laisse-la tranquille, espèce de monstre. Bon bah c'est grand temps de tirer, tiens, tu pouvais pas tirer avant qu'elle se transforme, connard. Un petit piano. On va attendre à côté, donc ça dérame un peu. Il y a plein de munitions de partout. Sérieux, on dirait un chien. Alors qu'est-ce que j'ai comme arme efficace? En plus, c'est attaque à moi, c'est attaque même pas à elle. Quoi. C'est elle que tu veux ou c'est moi? Oulou. Natalia, il a posté. Tu vas mourir. Mais c'est toi, tu vas crever, ça va être ça ton échappatoire. Grosse conne. Mais t'as rien offert du tout. Allez ta gueule. Ferme ta gueule et prends-toi des balles. C'est tout ce que tu. C'est tout ce que t'as besoin. Putain, ça va prier. Petite merde, elle se barre en plus. Première étape du boss terminée.
j'imagine que c'est loin d'être fini. Puis elle... Vas-y, fais-toi bouffer qu'on en parle plus au moins, voilà quoi. Vas-y, un chargement. On va se taper un vieux lag encore. Vas-y, crase. Putain, c'est répugnant tous ces petits vers là qui sortent de son corps. Oh, on dirait Gollum. Yes, I. Ben oui, elle est pas morte. Elle était juste bien écrasée. T'as fait tout ça pour moi? Ouais. Désolé, ça a pris 6 mois. Putain de technologie. Ça, tu peux le dire. Ouais. Serait pas trop vite. Ici, courez vers l'échelle. Oh là là là. C'est quoi ça? Avec un peu de chance, elle va encore crever, mais on va la laisser là. Non? Claire a sauté par là, hein. Elle est toujours vivante. Enfin par là ou pas très loin. Oh la tronche. Claire. Redfield. Un petit cadeau. Salope. Vous connaissez pas les balles explosives, bordel. Vous viviez en quelle époque? Moira, je suis désolée, t'étais en danger. T'es revenu avec un hélico et un fusil de sniper. C'est putain de génial. Alors tais-toi. Et décoller. Laisse-moi me charger de ça. Papa. J'aurai toujours besoin de toi. Mais pour l'instant, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'étais obligé. Le coupe depuis l'hélico. Merci. Je l'avais ce gun avant ou pas? Alex, tu t'appelles ça Alex, toi? Approche un peu, Wesker. Allez, arrête de bugger, là. Marie! Attire-la plus près, je vais essayer de la voir. Alors, au début, il dit non, laisse-moi faire. Et après... Éloigne-toi d'elle, Marie. Je te coupe. Qu'est-ce que tu veux que je la vise? Mon jeu est au ralenti, bordel! Putain! Ok! Ne rate pas! Tiens bon, ma puce! Je ne t'abandonnerai pas! C'est quoi? Ne m'en parle pas!
En fait, elle est trop à la ramasse, quoi. Viens par là. Non, c'était pas pour ouvrir une porte. Ça. J'espère que je serai aussi saoulant quand je serai mieux. Elle est où? J'ai pas. Ah ouais, merde. Hâte de bouger. T'aimes les virus et les missiles, tu les aimes? Grosse chien. Enfin bon. Apparemment, il y a une partie d'elle qui est dans la petite fille, donc. Il y a de fortes chances qu'il y ait un second opus. À ce jeu, je parle pas d'un épisode à un autre épisode, hein, mais vraiment d'une suite au jeu, tout simplement. Bon, bah bien, je crois que je l'ai fini. Ouais, 1h30, ça va. Ils auraient pu faire la première partie du dernier épisode un peu plus longue, par contre, parce que 20 minutes, c'était... C'est rien. Je t'ai donné des raisons de t'inquiéter. Tu t'es très bien débrouillé, Moira. Évidemment. C'est une putain de Burton. La poêle est très heureuse. Maintenant... On va laisser ces gars faire le ménage. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Barry? Je crois que je vais reprendre mon boulot de père. Ah, elle a l'air déjà plus contente, mais... Genre le zombie en elle. Bon, et bien voilà, c'est fini. Ce fut quand même une expérience pas trop mal. J'ai beaucoup apprécié ce jeu, quoique je l'aurais apprécié bien plus si j'avais eu un PC qui capable de le faire tourner nickel, quoi. Enfin bon, voilà. Donc ouais, on est le 14. Hein. Je pensais plus jouer à du GTA aujourd'hui
au dernier épisode de Resident Evil, mais c'est pas plus mal comme ça, on peut dire comme ça, au moins je l'aurais fini, je l'aurais fait, et puis demain on pourra se retrouver sur du GTA PC, avec un PC qui rame, enfin bon voilà, donc je vous remercie à tous ceux qui, le peu de gens qui m'ont suivi sur ce gameplay, ou ce let's play, je sais pas, bref, comment vous appelez ça comme vous voulez, sur Resident Evil Révélation 2. Moi, j'ai, en tout cas, du moins, j'ai apprécié de le faire. J'aurais plus apprécié, sûrement, comme je vous ai dit, si j'avais eu un PC capable de faire ça tout, enfin, capable de faire tourner ça correctement. Mais bon, c'est pas le cas. J'ai déjà un PC, enfin, il coûte déjà très cher, mais je pense qu'il pourrait faire tourner ça à fond. Mais je pense que j'ai des petits problèmes. Parce que j'ai quand même un i7, j'ai quand même 14 Go de RAM, une carte graphique normalement assez correcte, et puis après je sais pas, c'est peut-être mon disque dur qui, je sais pas, parce que bon là c'est sur un disque dur normal. Donc voilà, je sais pas, en tout cas, j'aurais bien apprécié jouer à ce jeu, ça c'est clair. J'imagine que l'expérience aurait été peut-être mieux sur next-gen, sur console next-gen, sachant que c'est prévu pour, j'aurais pas eu de ralentissement à la con, j'aurais pas eu de vieux bug. Mais bon voilà, donc on verra comment ça va se passer pour la version PC de GTA demain avec cette espèce de PC pourri. Quitte à ce que je réinstalle tout Windows pour avoir un truc tout propre juste pour GTA, au pire je verrai. Si ça rame trop, c'est ce que je ferai. Et puis, écoutez, s'il n'est pas capable de tourner avec ma carte graphique, je sais pas comment je ferai. Je mettrai tout au minimum. Et puis, si ça rame encore, je pourrais pas être OP pour GTA 5 PC pendant un petit moment. Sachant que, vu que je me suis fait hacker et que je suis à moins 800 et quelques euros sur mon compte, je risque pas d'acheter une nouvelle carte graphique maintenant. Même si je vendais la mienne, déjà j'aurais plus de PC du coup en attendant. Faut déjà que j'arrive à trouver à la vendre, et puis même en la vendant, quoi, je la vendrais une bouchée de pain comparé à ce que me coûterait une carte nickel pour GTA 5. Du coup voilà, j'espère, je croise les doigts pour que ça marche, et puis voilà. Donc sur ce, je vous laisse sur la fin du générique, ou pas, non, je pense pas, je vois pas la nécessité de le laisser jusqu'à la fin, remarque. Donc je vais couper là, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.